Maxence Plas, vous avez gagné ici la course, c'était facile pour toi? Je reviens du Val-Romay, donc les jambes étaient un peu lourdes, mais je suis venu ici pour faire du rythme et continuer à avoir le rythme pour les prochains objectifs. Bon, au début de la course, j'ai essayé de tester les jambes un peu, puis je me suis plus caché dans le peloton. Et comme on avait Oscar qui était devant pendant 70 km, on a bloqué derrière. Et puis à 4 km, on est revenu, ça s'est regardé, j'ai attaqué. Et de ça, je suis parti. On était 4, ils ne voulaient pas passer de relais, puis j'ai attaqué encore et j'ai tenu jusqu'à la fin. C'était un petit peu la tactique de laisser lui rouler 70 km en attaque? Ouais, le but c'était d'en avoir un dans l'échappée et ça a très bien fonctionné. Comme ça, nous derrière, on était au chaud pendant que Oscar roulait, donc c'était parfait. Tu n'as pas entendu pour le sprint, hein, je pense? Non, moi je suis pas un sprinter, donc j'ai essayé et ça a marché. Tu as connu les autres qui étaient devant avec toi? Ouais, je les connaissais, je savais que c'était des gros rouleurs et des bons sprinteurs. Donc il fallait que j'arrive tout seul, parce qu'au sprint, c'est pas ça. La prochaine course, c'est quoi? C'est Berg Campenhout, avant un de mes gros objectifs, Obel Team Terpstra. Et qui est toi? Qu'est-ce que tu vas faire dans le championnat, par exemple, en Belgique? Tu es un bon coureur? Tu es un grimpeur? Oui, un grimpeur. Mais je suis dans la structure AG2R Citroën U19 Team. Ok, vous avez le futur dans ta poche. Ouais, j'espère. Ok, bonne merde encore. Merci.